suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Écoutez, on est enfin arrivés après 5 heures de route, c'était assez périlleux. Et on a décidé d'aller se balader à Notting Hill. Donc voilà, je viens d'arriver à Megève. Donc là, je suis dans ma chambre et je suis arrivée il y a environ une heure quand même. Je vais laisser poser le masque jusqu'à ce que ça sèche, puisqu'en fait, il faut que ça, comme c'est un masque à l'argile, ça va commencer à craquer et tout. Hello! J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 30. On est samedi, déjà le dernier samedi de 2023. Je suis en train de prendre mon petit déj. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à me réveiller, je pense que c'est la fin d'année qui veut ça. Généralement en temps normal je me lève toujours entre, je sais pas, 8h, 8h30, max, vraiment grand max. Ça c'est mon heure de réveil naturelle on va dire, quand j'ai pas de réveil. Mais là en ce moment mon heure naturelle de réveil c'est plutôt 9h, 9h30, 10h même. Aujourd'hui c'est la dernière ligne droite avant 2024 et surtout avant le nouvel an. J'ai fait le point hier et je me suis rendu compte qu'on avait clairement pas assez pour nouvel an. De bouffe, de boisson, la totale. Je vais essayer d'embarquer Henri avec moi et on va retourner. C'est vraiment ça d'accueillir des gens chez toi pour le nouvel an. Tu pourrais très bien faire en sorte que chaque personne amène un truc, mais je sais pertinemment comment ça se passe quand on fait ça. Il y a toujours quelqu'un qui zappe d'amener un truc et il n'y a jamais assez. Donc je préfère aller et avoir des restes plutôt que se retrouver en fait en plein milieu de la soirée et être en mode bon, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange. Je vous avoue que la journée va être assez tranquille. Il faut aussi que je prépare toutes les chambres pour les invités, puisque en fait je refuse évidemment que mes potes rentrent chez eux après la soirée du nouvel an. On va boire de l'alcool et donc il est certain qu'ils ne vont pas rentrer chez eux en voiture après ça. Donc du coup on fait dormir je crois 6 ou 7 personnes à la maison. Enfin, les autres habitent à côté à pied donc ça passe tranquille. Mais donc du coup je vais préparer les chambres et faire en sorte que du coup bah il n'y ait plus rien à penser pour demain. Parce que demain ça va quand même être une grosse journée, demain il va falloir que je prépare tout, etc. Et donc j'avais envie de le faire aujourd'hui, comme ça c'est une bonne chose de fait. Je prépare les lits et puis on n'en parle plus, je prépare la salle de bain. En parlant de ça, la première vidéo de l'année 2024, normalement ce sera l'avant-après de la chambre du haut qu'on a rénovée nous-mêmes, donc je vous montrerai ça. Il faut aussi que j'aille à la salle de sport, bref, voilà, une petite journée tranquille. De toute façon, j'ai l'impression qu'entre le 25 décembre et le 1er janvier, c'est vraiment des journées extrêmement bizarres. Genre tu sais pas quel jour on est, tu sais pas si t'es en vacances ou si t'es pas en vacances. Je trouve que c'est des congés hyper chelous, enfin moi je les déteste parce que je les comprends pas. Et vraiment t'es dans l'attente en fait, t'attends la nouvelle année, c'est vraiment ça en fait. Ces jours-là, c'est trop chelou. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, on a dit confortable. Personne n'a dit ça à part moi, justement. Vraiment, si je mets pas tous les jours mes New Balance, c'est que ça va pas. C'est bien, je suis parfaitement confortable. Bon, on va aller faire des courses, ça y est. Ça va être l'enfer. Les gars, quelle idée, un samedi, le dernier samedi avant le nouvel an. Enfin, je veux dire, il faut être... Ça va être horrible. Ça va être horrible. Vous vous rappelez, pour mon Noël, j'avais eu une grenouille aussi avec le papillon. Et en fait, j'ai demandé à Henri si on pouvait quand même changer la grenouille que je trouvais belle, mais un chouïa too much. Et regardez par quoi on l'a changée. J'adore. J'adore. Je sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Regardez-moi ce petit poisson bulle. Mon Dieu, il est trop... J'adore ça. Et à by the way, parce que vraiment, il est super sympa. Tu veux lui faire sa promo, mon cœur? Bah, franchement, elle est super sympa, le mec Stéphane. Il l'envoie dans le monde entier. Et c'est tellement dur à trouver. Mais là, c'est assez dur à trouver en vrai. C'est vraiment trop beau. Morpho, Ulysse et compagnie. Je mettrai le Etsy dans la barre d'infos. C'est pas sponsor, hein, bien sûr. Henri, c'est un cadeau qu'il m'a fait, mais c'est vrai que le gars est chouette. Mais le gars, il s'appelle Stéphane, il vient de Bruxelles et il l'envoie dans le monde entier. Et c'est très beau. Il fait ça bien et c'est un passionné. C'est très beau. Henri m'a traîné chez Ikea. Pourquoi? On va aller chercher une pièce qui nous manque pour, le vestibule. C'est une pièce qui a que dans ce Ikea, qui est à Anvers, donc du coup dans la partie flamande de la Belgique. C'est genre des miroirs qu'on doit mettre sur les côtés de la commode, enfin du dressing, mais qui sont introuvables dans les autres Ikea et qui ne se commandent pas. Genre on ne peut pas les commander parce que c'est des miroirs, donc ils refusent de les livrer. Donc on doit se faire 40 minutes de route pour aller chercher deux pauvres miroirs, quoi.
site et on a vu qu'il en restait que 3 ici. Il nous en faut 2, donc on a un peu peur que... T'imagines quelqu'un les prend à notre place. T'as dit combien, rayon 28? On est en stress là, regardez-le comme il court. Regardez-le comme il court. Il est pas bien là. Ça, non? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. On dirait, hein, ça y ressemble. Je suis pas sûre. 448, 30, ouais, c'est ça. Oh putain, il en reste 2! On a failli vomir. 004, 148, 30. C'est ça? Il en reste 2, les gars. Il en reste 2. Ouais, on a trop de chance. Là, on a vraiment trop de chance. Wow. Ça va, tu vas vomir? 004, 148, 30. Et ils te disent qu'il en reste combien? 3? Ils disent qu'il en reste 3, mais ça veut dire qu'il y en a un qui a déjà été pris. Il y en a un qui a déjà été pris. Oh, wow. Regardez ça. L'homme de la situation qui rentre dans les poussettes sans aucun scrupule. On a beaucoup plus... Enfin, en fait, on a même pas pu tout prendre parce que je pense que ça rentrera pas dans la voiture. On est là, hein. Ouais, on va voir. C'est un petit peu le moment de... J'adore comment il marche vraiment entre les... Allez, c'est parti. Quand je peux enlever ma veste, je sens que ça va être un peu challengeant, là. En fait... De retour à la maison, ça c'est fait, donc voilà à quoi ça ressemble. Et on va juste faire la même chose de l'autre côté. Franchement, c'est pas mal. Tout ça pour ça, quoi. On est un peu plus tard dans la soirée. Henri m'a dit qu'il avait installé des étagères dans son atelier qu'on a acheté chez Ikea tout à l'heure avec son pote. Sauf que là, ils sont en train de se marrer en haut parce que, apparemment, ça a été fait n'importe comment. Et du coup, là, je suis pas encore descendue et je vais découvrir le massacre avec vous. Putain, déjà, il y en a partout, ça me rend ouf. Alors, ok. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Bon bah alors déjà l'étagère là, elle a pris méga cher. Apparemment il y a une étagère qui s'est carrément cassée. De ce que j'ai compris, quelqu'un avait mis de la colle à bois. Oh putain le bordel. Oh non. Après c'est pas mon bureau mais... Oh oui d'accord, ok, c'est défoncé là. Il a mis de la colle à bois, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le pire, vous savez ce que c'est le pire? C'est que quand j'ai envie de faire des travaux dans la maison, Henri me dit toujours attends-moi pour le faire. Parce que je veux pas que tu fasses de la merde. Sous-entendu que moi je fais n'importe quoi. Mais moi je fais pas de la colle à bois dans un mur. Hein. Mais écoutez, voilà. Je le laisse. Ce n'est pas mon atelier. Je dois me détacher de ça. Je fais comme si ça n'existait pas. Je ne le vois plus. Du coup j'en profite pour vous montrer. Ça c'est terminé. C'est très sympa. Voilà. Ouais je suis dans mon outfit. Je me suis lavé les cheveux et tout. Regardez, une petite poignée là. En vrai on va quasiment jamais l'ouvrir mais c'est pas mal je trouve. Très mime. Ben. Si. Elles sont même pas droites, t'as vu? Et tout à gauche, elle est écornée, l'étagère. Ouais, je sais. Ah. Je suis un peu déçue aussi de ma prestation. Tu peux dire que t'en as pété une aussi. Et alors, j'aurais besoin de ton avis. C'est est-ce que tu trouves qu'elles doivent être collées l'une à l'autre? Ou bien assumer qu'il y a un petit espace entre les deux? Parce que tu les as mal collées? Non. Pourquoi? Parce que le mur est pas droit, pour si, le coup. Oui. Le mur est pas droit. Arrête de le défendre. Non, pour le coup, pour le mur, j'ai dit, il s'est pas foré un trou. Il sait pas mettre une cheville. Mais là, pour le coup, le mur est pas droit. Le mur est pas droit. C'est pas les petits points en crayon. Quoi? Les petits points en crayon. Ah, j'y crois moyen. Bah, fais comme tu le sens. De toute façon, c'est pas mon studio, c'est le tien. Hein. Ah! C'est un studio d'artiste. C'est un studio d'artiste. Putain, c'est grand par contre, ça fait quoi comme taille? Ça va, Jelly? 70 sur 70. Elle dort sur la table, carrément. Bon, nos cadeaux sont sous le sapin pour le Secret Santa de demain, donc ça, c'est fait. On a acheté ça aujourd'hui comme jeu de société. On avait déjà joué une année, c'est un peu border, mais c'est assez drôle en vrai. Et le plus gros bonheur, c'est surtout que, regardez, le frigo est plein pour demain et mes pickles d'oignons sont faits. Regardez ça comme ils sont beaux, bien roses fluo comme je les aime. Je les trouve incroyables, je suis sûre que tout le monde va kiffer. J'en ai goûté un tout à l'heure, ils sont trop bons, je suis hyper contente. Bon, je pense que ça se voit un petit peu que je suis fatiguée. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai eus par rapport au vlog d'hier sur le fait que c'était ma dernière année de Vlogmas, que ce soit les messages que j'ai vus sous le vlog ou alors les messages que j'ai reçus en DM sur Insta, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup de tous vos messages et toute votre compréhension et vous allez voir,
Ça va vraiment me donner de l'espace mental et du temps de manière générale pour faire plus de choses l'année prochaine. Des choses différentes en fait, des projets différents, et je pense que ça va tous nous faire du bien. Donc merci pour tous vos messages, ça me fait trop trop plaisir, en tout cas sachez-le vraiment. Si vous avez regardé le Vlogmas jusqu'ici, écoutez, vous pouvez mettre le mot poisson dans les commentaires puisque c'est celui que je suis allée chercher tout à l'heure. Et c'est aussi mon signe astrologique évidemment. Jelly et moi on vous fait plein de gros bisous les amis, et je vous dis du coup à demain, ou alors peut-être au 2 janvier pour le tout dernier Vlogmas, puisque je pense que j'aurai peut-être pas la foi de faire le montage le 1er janvier. Peut-être que je serai trop fatiguée, donc si jamais c'est pas demain, ce sera après-demain. Je vous embrasse et je vous dis après-demain ou à demain pour le tout dernier Vlogmas. Ciao.